De vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto, une petite décoration. En fait, j'avais acheté cette petite valisette à Action, hein, vous l'avez sûrement vu, et on va la décorer ensemble car je voudrais l'offrir à une personne qui m'est chère. Donc voilà, on va le faire ensemble. Alors, pour cela, je vais la faire vintage. Donc, j'ai sorti mes encres avec mon petit tampon mousse. Voilà. J'ai sorti quelques papiers. Voilà, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. J'ai sorti quelques dentelles que l'on trouve... toujours pareil chez Action, de la colle, ma colle chaude qui chauffe et des petits voilà, des petites décos que je vais mettre dessus. Vous voyez que j'avais acheté chez Noz. Voilà. Alors on va commencer. Donc j'avais au préalable en fait, j'avais peint en blanc toute la petite valisette. Alors, la valise, pour celles qui ne l'ont pas, je vais vous donner les dimensions. Elle fait 9,5 sur 13,5. Hein, et l'épaisseur, elle fait, voilà, 5, presque 6. Hein. Alors, comme elle a été peinte, et je vais la faire... un petit peu dans des tons comme ceci, j'avais envie de passer le bord, lui faire un petit peu les bords, voilà, les bords marrons, pas trop, mais comme je vais faire style petite mallette de voyage. Alors, on va laisser comme ça pour le moment. On va, en fait, je vais prendre la mesure. J'avais envie de mettre ce papier-là, ici, en haut. Oui, je vais mettre celui-ci. Alors, je vais prendre, ben, je vais tout simplement faire un patron. Donc, vous prenez votre boîte, hop. Vous l'appliquez comme ça, on fait un petit tour. Voilà, et puis on va découper. Alors je vais découper un petit peu à l'intérieur du trait. Alors, vous voyez, là, j'ai fait l'arrondi un peu plus. Voilà, j'ai découpé. Donc, je peux vérifier maintenant. Alors, mes arrondis sont super. On va couper un petit peu de chaque côté. Voilà.
c'est le plus long, mais au moins après, c'est vraiment impeccable. Là, on va faire un tout petit peu ici. Voilà. Eh bien, c'est super. Donc, on va garder notre patron. Alors, on va regarder si on peut le faire pour le dessous. Non, ça, ça va pas aller. Et on va mettre le dessous. On va faire le dessous comme ceci. Allez, donc, hop, on recommence. Et on découpe. Voilà, maintenant qu'on a découpé le haut, le derrière et puis l'intérieur, on va les passer, on va les ancrer. On va ancrer. Voilà, ça me plaît bien. Donc, hop. Allez, alors maintenant, on voit la colle. Voilà ma colle. Alors, le pinceau. Oups, la colle, elle colle. Alors, un petit pinceau. Hop. On va d'abord coller celui à l'intérieur, donc celui-ci. On va coller d'abord l'intérieur. Mettre un petit peu de colle à l'intérieur, dans la boîte. Ensuite, on va mettre sur le papier. Voilà, hop, et puis on va le mettre tranquillou. Ah, faut le mettre droit, hein, Amandine, hop, voilà. Faut faire attention parce que le bois ça boit. Le bois il boit. Donc voilà. Alors maintenant on va faire pareil pour l'eau. Voilà. Alors, hop. Voilà notre petite boîte. Hop. Hop. Alors, je ne sais pas si j'en mettrai un en bas ou si... Je ne sais pas. Peut-être que oui. Ben, je vais voir. Peut-être, ça serait sympa. Bon, allez. Je vais... On va essayer de voir ça. Ça serait peut-être bien quand même d'en mettre un en bas. Une en bas plutôt. Y passer un petit coup
d'encre. Voilà. Allez. Mon petit plioir. Hop, hop. Voilà, ça nous fait la petite valisette toute dedans, devant et derrière. Alors maintenant, on va fermer la colle. Hop. Alors, on va mettre, je voulais mettre de la dentelle. Alors, je voulais mettre celle-ci. Mais je me demande pour casser si je vais pas mettre... À votre avis, ou alors une comme ceci, ce serait peut-être pas mal, ça changerait. Les marrons. Alors. Les bleus. Plutôt les beiges. Cette couleur, elle me plaît pas trop. Couleur, elle me plaît pas trop. J'ai presque. Est-ce que j'opte pour celle-là? Alors attendez, je vais voir si j'en ai pas d'autres et je vous reprends. Hein, voilà, alors. Je retrouvais une petite dentelle pareil de chez Action. Voilà, mais celle-ci elle est claire, mais elle me convient mieux. Donc on va la mettre. Par contre, je vais faire attention. Vous voyez là, il y a la petite fermeture, hein, donc je vais faire attention qu'elle se trouve dans un petit creux. Vous voyez, il y a un petit creux ici et que ça se trouve en fait dans le petit creux ici. Donc voilà, j'avais pensé faire là. Alors on va commencer par le petit creux. Hop, hop, hop. Alors elle est autocollante, mais je vais quand même mettre de la colle à chaud, quoique ça tiendra peut-être. Voilà, on va commencer par... Oh, ça va, ça tient. Hein, donc, je fais tout le tour. On va couper ici. On va mettre même derrière et le coller ici. Voilà, et on va mettre un petit point de colle. Voilà, un petit point de colle chaude, très léger. En effet, c'est léger. Voilà. De façon à ce que ça ne bouge pas. Donc voilà. Alors, en dessous, eh bien, on va faire pareil. Alors, j'en mettrai peut-être bien deux. Donc, une comme ça et une comme ça. Allez, on y va. Pareil, donc dans le ruban, il y en a deux. Il y en a une qui est comme ceci et une qui est plus petite.
Et comme ma boîte, elle est plus large, je vais mettre donc les deux. Voilà, que ça couvre bien ici. Alors, je vais mettre d'abord le plus fin. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Et en fait, je vais mettre, en espérant que ça fasse le tour. Ouh, c'est pas sûr. Voilà, j'en mets que devant, là, pour pas que ça fasse trop derrière. Est-ce que si... Ah, ça va, j'ai tout. C'est bon. Alors, est-ce que je le mets en haut? Non, je vais le mettre dans ce sens-là. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Voilà, toujours le petit point de colle. Voilà, maintenant que tout ma petite dentelle a été collée, j'ai mis un petit pompon ici. Alors, on va décorer le haut. Alors, j'avais pensé mettre celui-ci. Alors, je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà. Je vais le mettre un petit peu en travers. Voilà. Et puis, j'avais pensé mettre l'autre ici. À moins que je mette celui-ci. Ou celui-ci. Voilà, on va mettre celui-ci. Hop. Voilà. Ici, j'aurais bien ajouté des petits nœuds, des petites roses. Petites roses que l'on trouve chez Action avec un petit nœud. Hop, hop, hop. Alors, on va mettre à la colle chaude. Toujours par trois les fleurs. Nombre impair, toujours. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Et j'avais pensé un petit nœud. Allez, un petit nœud. Allez, petit nœud, vous pouvez mettre comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. Ça donne ça. À l'intérieur, eh ben, on va se faire plaisir. On va en mettre aussi à l'intérieur. Hop, j'avais pensé mettre celui-ci. Mettre un petit nœud aussi. Plein partout. Voilà. À l'intérieur, le mettre simplement comme ça. Parce que je ne sais pas si je pouvais mettre autre chose. Ah oui, on va peut-être mettre. On va mettre la petite clé. Allez, hop.
petite clé. Petite clé comme ça. Voilà. Voilà. Là, par contre, j'aurais peut-être bien mis des petits nœuds, oui, des petits nœuds de chaque côté. Allez. Hop, hop, hop. Un petit nœud ici. Voilà. Et on va mettre un petit nœud de l'autre côté. Voilà, et ici, ben, en fait, je mets rien de façon, voilà, ça nous donne ceci. Et quand on l'ouvre, hop, hop, voilà, je pense que j'en mets pas plus, hein, parce que sinon ça ferait trop. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour cette petite vidéo que nous avons réalisée ensemble. Hein, comme quoi, vous voyez, à action avec des jolies petits articles, on peut faire des jolies petites décos pour après l'offrir et puis faire des beaux cadeaux. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.